responsable CNSCHO, qui c'est Conseil national société civile haïtienne, qui a même condamné et dénoncé série actes de violence bandits examio continué à faire tribord à bord dans la capitale là côté population a pas suspendre courir quitter la caillou sans compter toute activité yo qui paralysée dans pays là responsable CNSCHO dans sa sam des communautés internationales là pour porter solidarité au Haïti et puis aider mettre pressé un couloir humanitaire pour aider familles qui déplacées yo. N'a pas invité au côté déclaration quelques responsables donc Maxo Dorville, Joël Lorville, Wilgens Willis, Yoté Damico, Gerline Moreste. Nous-mêmes Conseil national société civile haïtienne, la constaté avec aucun sérieux vague violence qui blaye sous capitale pays depuis environ 2 ans. Il y a une situation de sécurité généralisée qui vient déboucher sur une crise sans pareil. Sécurité, c'est un gros défi depuis que tout le monde a vécu avec un peu d'inquiétude dans la tête. Quand il y a une situation à vivre dans le pays, pour le moment, ça cause la capitale pays à tomber dans une crise humanitaire sans bonne. L'hôpital n'a pas fonctionné, l'école fermée. Tout si monde rete chita, nous pas qu'à dire la caille parce que c'est dans pourri, pas si pas là, tout pas rayé. Magasin pas ouvert, l'église pas réunie, bureau l'état yon fermé pour nous citer ça yon seulement. Non seulement, nous tellement fait violence, avion pas volé, bateau pas accosté, camion pas sorti dans la capitale là pour aller dans la province, ni sorti dans la ville province pour venir dans la capitale là. Ça veut dire Haïtien isolé Haïti à reste monde. La coordination départementale de l'Ouest CNSCA a tiré sonnette d'alarme dans une crise humanitaire ça et demandé la communauté internationale là pour manifester une solidarité. Qui rapide appel à peuple haïtien. Dans la situation tragique, la vie, journée et jour, la coordination CNSC a demandé à tout le monde qui vit dans le pays pour montrer solidarité l'un avec l'autre, protéger les familles actives qui sont dans le site d'hébergement, aider les gens qui agissent avec handicapé. C'est un moment où nous cherchons à comprendre l'autre. Pas quitter mauvais l'idée montée dans la tête, non, pour nous faire ça qui mal. Coordination, l'Ouest CNSCA a profité des personnels médicaux pour des soins bail, monde qui déplace, pour éviter tout risque, maladie respiratoire et épidémie dans la condition de vivre. Monde qui déplace, pas vraiment des moyens pour combattre contre la maladie de l'eau, tant pour choléra, parce que même pour la vie, mais pas vraiment de l'eau disponible pour ça. Le Conseil national de la société civile haïtienne a continué à demander la paix et la sécurité pour l'école qui a ouvert, pour tout le monde qui n'a pas arrêté de chiter encore, parce que le monde c'est demain d'ailleurs. C'est le CNSCA, le Conseil national de la société civile haïtienne, a invité tout le monde qui a des amis, c'est pour suspendre et terroriser la population. Il faut retourner la caille parce que tout étranger vient chercher le monde qui vit dans le pays d'Haïti pour retourner dans le pays. On nous montre bon côté par nous, on a fait tout effort pour les familles qui déplacent, jouent une sécurité et puis rentrer la caille pour continuer la bataille avec la vie. Pour tout petit machin, prend la rue, il y a 100 qui sont sautés. Chauffeur de transport public, il continue de travailler pour porter la manger dans la famille et puis. Pour tout employé qui est dans la fonction publique, pour privé, continuer à travailler, gens, ça a été fait. L'hôpital Action Santé fonctionne pour porter l'église, rester l'ouvrir, pour nous qu'à vivre à qu'imposer. Nous devons faire l'histoire, nous qu'à faire encore. Pour finir, c'est le CNSCA, Conseil national de la société civile haïtienne, a demandé communauté internationale, pour agir en urgence, pour aider à créer un couloir humanitaire. Il y a un moyen pour protéger les familles
qui déplacés qui vivent dans grand coup avec la misère. Et l'autre point, CNSC, le Conseil national de la société civile haïtienne, a frappé tout secteur dans la rue nationale là. Moment ça, c'est le moment qui est plus important pour faire côté coller sans démagogie, sans préjugé et puis sans expliquer des décisions pour sortir du pays dans un pass sans pareil et trouver le jour aujourd'hui. On met des têtes nous ensemble pour nous vivre tant que frais accès. Sinon, nous avons un bon idiot, peuple là à souffrir.